Les admirateurs des Sussex commencent à s'impatienter. Déjà 2 mois que Meghan Markle et le prince Harry ont accueilli leur petite fille Lilibet Diana, et aucun cliché du bébé n'a encore été dévoilé. Il faut dire que le couple se veut plutôt avare lorsqu'il s'agit de partager des photos de famille, contrairement à Kate Middleton et le prince William. Par exemple, pour les 2 ans de leur fils aîné Archie, Meghan et Harry ont dévoilé une photo sur laquelle le garçonnet est à peine reconnaissable. Celle-ci est floue et habillée d'un filtre qui ne permet pas de voir distinctement la bouille de leur fiston. Serait-ce une façon pour les jeunes parents de taquiner leur public? Si est en tout cas ce dont est convaincu l'expert royal Omid Scobie, auteur de la biographie consacrée au Sussex, Finding Freedom. Selon lui, Meghan et Harry essaieraient de troller, piéger, les internautes, en partageant volontairement des photos pas très nettes afin de préserver leur intimité et leur famille. Nous en avons déjà fait l'expérience avec Sussex, les photos d'Archie ne sont pas trop claires, a-t-il déclaré sur son podcast On Air avant d'ajouter, je pense que si est-il leur façon de troller le monde. Une photo de Lilibet dévoilée le jour de l'anniversaire de Meghan Markle, le 4 août dernier, alors que Meghan Markle célébrait ses 40 ans, de nombreux spécialistes en royauté étaient persuadés que les Sussex allaient profiter de l'occasion pour dévoiler le visage de leur fille. Je pense qu'il est probable que nous verrons une photo de la famille, avait confié Phil Dampier au Sun All-in. Cela ne me surprendrait pas si Meghan publie une photo d'elle avec Lilibet pour marquer son 40e anniversaire, car ils voudront souligner à quel point ils ont une famille heureuse et unie, ajoutait le spécialiste royal qui n'a malheureusement pas vu juste cette fois-ci, puisqu'aucune photo officielle de Lilibet n'a été partagée. En revanche, Meghan Markle a donné un premier léger aperçu de sa fille dans une vidéo publiée le jour de son anniversaire, extraite d'une conversation en visioconférence avec son amie Melissa McCarthy. Les regards les plus avertis ont remarqué sur le bureau de l'ancienne actrice de Suits, une toute petite photo encadrée sur laquelle on la voit embrasser le front d'un bébé.